Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va reprendre là, on s'est arrêté la dernière fois, donc tout de suite après ceci, où je vous présente ce qui se passe. La première guerre, c'est pour affaiblir l'autorité de la couronne. Ici où manque la contribution de chacun. Et la deuxième guerre, c'est pour l'indépendance. Par contre, ça, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas le comte de Flandre récupérer la France. Pour une raison. Si je me trompe pas, voilà. Comte de Flandre, roi de France. J'ai une meilleure opinion de lui que j'ai une meilleure opinion de l'autre. Donc c'est uniquement pour cette raison-là que j'ai envie d'être roi de France. Mais si jamais il deviendrait roi de France, l'avantage c'est qu'on peut plus perdre la France d'un côté. Donc voilà. Ça se discute. Bon. Alors, bien évidemment. Voilà, vu que je dois me réhabituer à tout ça, T-Mod, on va sûrement me demander comment modder tout ça. Débrouillez-vous, franchement, c'est du B.A.B.A. Ça, par exemple, c'est changer un fichier, voilà, j'ai renommé un fichier. J'ai changé le fichier là qui faisait image du duché de Bézon, de Bourgogne, et voilà. C'est pas compliqué du tout, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Ce qu'il faut savoir en informatique, c'est souvent ce qui est simple qui est compliqué. Voilà, c'est... Dites-vous ça... C'est vraiment toujours très simple, hein, je vais pas vous mentir. Et bien évidemment, je vous ai quitté la dernière fois avant de vous montrer. Zélé, martial, cynique, intrigue, non. Zélé. Je préfère. Je n'ai pas de malus pour l'instant et je vais mettre ça comme mon gros sao à Nassau. Je vais piquer les technologies aux Anglais. Non mais c'est ça en plus, hein, je vais pas mentir. Donc mon os est très diminué, mais je vais le lever quand même. Voilà. Et ici, on va je vais vous expliquer un deuxième truc. Ici, c'est le nombre de troupes totales que je peux lever. 229 dans le château A, 229 ici. Voilà, c'est qu'ils prennent. Ouh là 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 là. Et là, je réfléchis un grand coup, en fait. Dans quel état est-ce que ce serait ? 645 troupes. Et on contribue... Je suis deuxième contributeur de la couronne, et en troupes. Y a-t-il un mouvement ? Non, non. Finalement, non. Je vais retirer ça. Je peux déclarer la guerre. Vu qu'il est en pleine guerre, là, pour faire autre chose. Je tenterais bien ça. Mais je sais que je vais me louper, donc. Donc, voilà. Je préfère prendre mes dispositions. De moins, voilà, très bien. Et je peux bien évidemment améliorer les fortifications si j'ai envie de mes vassaux, mais ça je vais laisser faire tout simplement parce que c'est pas mon mes oignons ça. Juste. Alors là, juste plus 2 en attendance plus 1 érudition. Ouais, c'est bien, plus de... Ça, c'est vraiment de très bonnes statistiques, ça. Bon, la Flandre est en train de gagner, donc j'ai pas le choix. Je vais laisser faire. Je ne fais faire intervenir aucune de mes troupes.
Je laisse le jeu décider. Donc on a un fond trio dont atteint le niveau 1. Donc voilà, c'est ça meilleur. Ce qui me permettra... Oh, bien, 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 50 points d'un coup. Or, fortification du château, ça peut être utile. Je mens pas, mais je suis pas en guerre, donc ça m'est peu utile. Ce qui me serait utile, c'est soit tour, comme métro, camp de mine, ça peut être utile. Tout ça, c'est utile. Caserne, plus de troupes, écurie, voilà. Là, pour l'instant, pour fortifier, serait préférable à tout ça, parce que j'aurai plus d'argent et plus vite, surtout. Qui est plus d'argent, dit bien évidemment une meilleure rentrée d'argent, et dit bien évidemment... Ah, vous savez pas? Dit plus d'amélioration. Bon, je sais que je suis tout seul, mais bon, bah, quand on filme, c'est ce qu'on fait un peu, c'est qu'on essaie d'un peu, bah, quand on filme seul, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà. C'est ainsi que mon héritier est juste. C'est vraiment un très bon point, ça, qui va l'acquérir. Il faudrait que le roi de... Ah, je sais pas, vraiment, je ne sais pas. J'ai amélioré mes technologies, c'est une certitude. C'est une pénalité d'avance. Hein. Tolérance, légalisme. Ça c'est malus de couronne, voilà. Construction. Et là on peut investir, voilà. C'est ce que je suis en train d'essayer de comprendre. On peut investir une somme d'argent, ce que je comprends, 10. Je comprends pas une nouvelle méthode, coûte 10 sur 138. Attendez, d'accord, en fait vous avez un total là. Et vous pouvez investir là par exemple 50 points pour augmenter d'un niveau. Voilà. Ici je peux investir 30 sur 70. Ici je peux instaurer 10 sur 70. Ici je peux instaurer 120. Je vais le faire parce que ça m'apporte plus d'argent. Sauf que c'est dans un DLC que je n'ai pas, donc ça sert à rien ce que je viens de faire. Alors, éduquer un enfant. D'un mois. Je veux plus équilibré. C'est pour ça. Alors. Parfait, il est devenu patient. Je peux pas arriver mieux. Je vais quand même lever mon host. Parce que je vois... Pour me faire du prestige surtout. Je vois que l'armée de France est en train de se réunir. Non, le Kitten s'en fiche ou quoi? Bon, je réunis mon armée. De mettre Henri au milieu, c'est meilleur en martial. Bah, maintien, voilà. Mais vous mettre Guillaume parce que il a le truc qui est maintien moral.
là, je constate que... C'est qui est prétendant au comté de Nantes? Voilà, je vais inviter lui. Et là, bien évidemment, ils essaient de mettre une revendication en place chez moi. Donc, voilà. J'aimerais bien récupérer comté de Rennes. Donc est-ce qu'il y a des prétendants? Non. Prétendants. En fait j'essaie de trouver des prétendants hors titre de comté. Comté de Nantes, y a pas de prétendants. Ça, ben moi je lui mets ça, ça me convient parfaitement. Je ne sais pas dans quel état le Kaiser, mais d'après ce que je vois, la guerre est partout chez lui, donc c'est une bonne nouvelle. Donc alors, je vais vous expliquer maintenant les différents tailles du royaume. C'est les provinces totales que j'ai en comptant mes vassaux. Votre score, ça va vous en fichez. Taille du domaine, je peux en avoir 4, j'en ai que 2. Mon PT mensuel, mon prestige, en fonction de tout ce que j'ai. Et l'or que j'ai actuellement. Alors comme je l'ai dit, pour fortifier, pour avoir plus d'argent. Et voilà. Donc la technologie, ça avance tranquillement. Je ne vais pas vous mentir, plus un 24. Et je vais mettre en total. Comme ça, je pourrais encore lever plus de troupes. Hein. Mes vassaux qui ont des châteaux seront obligés de me fournir 100% de leurs troupes. Avec cette loi. Ce qui m'arrange personnellement, plus j'ai de troupes, plus ça m'arrange. Envie de récupérer ces royaumes là un peu comme ça. Et là je vais déclarer la guerre. Et là je peux que des ghosts. Et vous constatez que mon host a légèrement augmenté en troupes. Hein. Quand j'ai légèrement augmenté, c'est un peu plus de troupes ici. C'est pas beaucoup au début, mais quand vous avez un royaume de France par exemple, voilà, ça peut faire quelques cents. Ça peut facilement faire 500 si c'est un homme de plus. Quand même. Ce qui est vraiment non négligeable. Bon, ce qui est important aussi, c'est que toute l'armée soit réunie au même endroit. Thank you.
Et il n'y a plus d'autorité de la couronne, je suis en train de réfléchir. Roi de France. Après, je pourrais tenter un coup. Aussi. Qui est de... J'essaye de devenir roi de France. Emprisonnement justifié. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, comtesse de Chalon? Tu as quoi comme... Ouais. D'accord. D'accord, bon bah ça va se faire démonter. Oh, parce que j'accepte certaines choses, mais pas qu'on redique mon titre quand même. Ni qu'on tue quand même mes... Et là, c'est toutes les troupes que je peux appeler. Mercenaires. Ça coûte un bras, donc on évite. Mais bon, ça peut faire des troupes en plus, donc parfois ça peut aider quand même. Et là, tous les... Voilà, ils mettent la durée, j'enlève 6% tous les 6 jours. Bon. Si je peux éduquer, tant mieux. Si je peux pas, tant pis. Je peux pas, donc... Duchesse de Bourgogne, et... ma duchesse, c'est quand même pas mal. Les caractères qui m'intéressent. Voilà, pour fortifier, construire. Ce qui fait que je gagne 1,92 par mois. Technologique maintenant que je suis curieux de savoir où j'en suis. C'est par mois, voilà, c'est ça que je voulais savoir, c'est par mois. Cette augmentation est par mois. Tout le monde veut en fait récupérer mon titre. Bon bah c'est un peu... Ça on peut rien. Le problème c'est que suffit que qu'il y ait un rotation et que Kaiser vienne avec eux. Quoi? Non. Attendez. Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il veut? Eno. Je sens cette histoire qu'elle va tourner très court et surtout très mal. Bon, on peut lever avec 12 000 hommes là maintenant, contre 16 000. Il y a 100 moyens cette histoire quand même. Je vais pas vous mentir, je sens vraiment moyen. Bon, par contre, on va éviter. Ouais, honnête. Faut être honnête, je suis désolé. Et l'honnêteté, il n'y a que ça. En fait, la France, ce qu'elle doit faire, c'est rapidement en fait dégommer plein de petites... Lui et mon chancelier, on va être... Ça, c'est un peu à dur roi du conseil, c'est que je nomme les meilleurs. Martial, lui est meilleur. Non mais... Il n'y a pas de meilleur que lui. En intrigue, il n'y a pas meilleur. Et là, évêque de Belfort. Parce que les Belfortins, c'est les meilleurs. Bon, il fallait que je fasse ce petit mot. Voilà, 14% par an d'avoir cette revendication. Former des troupes proches des technologies militaires. Voilà. C'est ce que j'appelle que tout va bien, là.
tout se passe pour le mieux. Et en plus, vu que j'ai l'espion ici, on voit le petit mouvement de leurs troupes, tout ça. Ah. Non. Super, mais je ne renonce pas. D'accord. Mes troupes sont pas... En fait, j'ai pas un maréchal suffisamment élevé pour qu'il s'occupe des Tengues. De plus, ravitaillement, c'est la limite maximum des troupes. Donc faites gaffe à pas faire des armées de trop grandes. Je suis en train de marquer, j'ai toujours de plus. Donc désolé de ce tic. Nous avons tous nos défauts, après tout. Hein. Et... Le temps meilleur a tenté de venir me snoboler. Histoire. La paix. On est trop bon à venir ici. Alors, pourquoi ça? Julia Lorraine m'intéresse, je vais pas vous mentir. Je vais tenter un peu de faire des revendications sur un peu tout ce que je peux récupérer. Donc la Lorraine, tous les pays un peu limitrophes à chez moi, j'ai envie de les récupérer. Et le duché de Lorraine, comptait la Lorraine et Saint-Oise. Et bien évidemment le bas. Si j'arrive à récupérer deux de ces trois trucs, je peux usurper le duché et donc attaquer après librement ce qui reste. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué mine de rien ce que je fais, mais je pense que vous comprenez. Après, je vais bien évidemment tenter de prendre Lyon aussi. Hein. On peut voir que niveau technologie 6, je suis en avance sur Lyon. Nassau 6-6-4. Ah, mais je sais. Ici. 7-12-12, c'est ici. Voilà, je me rappelle. Oh non, oh, ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai déjà vu des personnes qui avaient ça, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver quand vous êtes infirme. Et ah ben on vient de se faire torcher, on vient de perdre notre armée. Donc la guerre est finie. Je vais créer mon host. Mais c'est tout le caractère que j'ai, que je veux en plus. Ah, ça va être serré. Ah, les renforts. Les renforts ont eu raison des Français. Ah ah, voilà. Ça, ce qui est vraiment génial, imprévisible. Guerrier sain, maintien de morale, combattant et religieux, des dégâts en moins, ou inflexible. Je suis pour ne jamais capituler. Parce que je trouve que ça me correspond mieux. Et surtout, on va commencer à envahir ce temps. Ouais, le duché de Salem. Ah oui. Ah mais oui là. Techniquement. J'ai bien techniquement. Attendez, je sauvegarde pour éviter de faire une... Pour éviter de faire erreur. Je vais un peu tricher aussi. Hein. On va appeler ça Frappe Solus. Frappe... Excusez-moi.
Franche-Comté, je crois que j'ai mis. Ouais, Franche-Comté, donc je vais mettre Bourgogne, bonne idée. Bourgogne, sauvegarder. D'ailleurs, j'espère que le son est pas trop fort. Normalement, je ne crois pas. Et là, tout de suite, on a un avantage de hauteur. Ils traversent une rivière et surtout, j'envoie des troupes en plus. Ce qui fait qu'au final, on a gagné cette bataille. On leur torche leur armée. Ah mais parfait. Ah bah voilà. La victoire qu'il nous fallait. Ah ça elle est belle cette victoire. Par contre, je vais rapatrier mes troupes, enlever mon host et déclarer la guerre à Salerne. Pour une raison. Je peux récupérer Salerne. Faut bien se dire ça, je peux récupérer Salerne. Parce que ma femme a une revendication dessus. Normalement, je récupère. Hein. Déclare la guerre. C'est pour ma femme. Donc, et là, je lève de nouveau mon host. Qui est d'ailleurs lourdement de ma vie. Mais bon, la guerre demande des sacrifices. Et nous faisons tous des sacrifices. L'armée de France, finalement, va se faire exploser, là, avec les troupes qui arrivent dessus. Tant pis, franchement, c'est pas grave. Moi, ce qui est important, c'est que j'arrive à serre vite. Donc, voilà. Vitesse max. Mettre du temps pour que j'arrive, mais bon. Aïe. J'ai demandé au Kaiser si je peux me racheter. Ah ça par contre ça me pose problème. J'y arrive pas, excusez-moi, là je suis... récupérer des points de technologie ici encore. Bon, on va tout capturer, on va pas mentir, je vais pas vous mentir. Le roi d'Angleterre est venu aider la France, ça c'est pas courant. Par contre, ce sont mes vassaux. Vous commencez pas trop à m'apprécier. Donc, pour fortifier ici aussi, hein, bien évidemment, comme ça, toujours plus d'or. Hein.
J'ai hésité à me racheter, mais bon, je pense que avec 4 droits d'Angleterre, qui n'a rien. 4 droits d'Angleterre est complètement inutile à pas d'armes. Voilà, c'est la vie. Bon, la vie. La vie 2 va mettre tout terminé, je vous rassure. On va finir cette guerre. Et je pourrais la démanteler. Ce qui est vraiment fort en fait dans cette histoire, c'est qu'on perd pas vraiment cette guerre, parce que on contrôle cette région et plus en fait on contrôle content, plus on gagne de score de guerre dessus. C'est ça qui est marrant. Je ramène cette armée là une fois qu'elle aurait été enlevée. Et en plus ils font un guerre à d'autres personnes, donc plus ça nous dérange. On essaie. Enfin... Je sais pas comment je vais sortir mes troupes de là, franchement. Ah bah si, comme ça. Voilà. Voilà, c'est ainsi que nous finissons cette vidéo. Je suis mort, c'est ballot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vivez vos jeux vidéo.